Prendre l'hélico? Ouais. Allez, je vous attends. Et là, on va attaquer Pucara. Faut prendre la moto dans l'hélico, wesh. Non, tu peux pas, c'est pas GTA ici. C'est parti. T'es en train de me niquer mon hélicoptère, arrête. Let's go. On va partir sans lui, hein. Slim. J'écoute. Ah, t'as question que je pars. C'est loin. Ouais, tu m'étonnes. C'est quoi qu'on doit faire quand on est là? Rien, faut trouver l'envie d'entrer dans la zone. Vas-y, passe par viens par ici. Bon, attends, t'es plus près ici, passe par là. Tu veux faire quoi? Tu sais pas ce qu'il veut faire. Yes. Bah tu vas dans les zones et tu récupères les documents pour avoir de plus d'informations. Et quand t'as les informations, après t'as les missions. Qui a sauté? Putain, vas-y Islam, tu vas pas voir mon atterrissage. Wesh, tout le monde saute en vrai. Ah, tu mets 15 ans. Allez, vas-y, allez, salut. Bon. Non, j'avais un hélico et j'ai atterri mon pote. Ils ont sauté, gros. C'est où, Perico? Je ne peux pas sauter. Quand t'as, je sais pas comment tu fais pour atterrir dessus, c'est compliqué de ouf. Là, tu peux pas sauter. Ouais. Franchement, j'ai déjà vu un ou deux mausolées dans ma vie. Mais alors, bah ouais, normalement, tu peux. Qu'on peut imaginer. Et on est censé croire que Soigno est en Dieu. En tout cas, lui. Même si tu changes de place. Ah, j'ai un document. C'est le cartel qui les construit pour ses bouts de jeunesse. Bah, vous savez quoi, j'assume. Moi aussi, je veux un truc comme ça à ma mort. Tu te prends pour un imbécile? Je connais personne chez nous d'assez taré pour avoir envie d'un truc pareil. Ouais, Slam. Ouais, gros. Qu'est-ce que ça affiche? On est sur. On est en vidéo. Ouais, de l'ordre en vidéo. Oh, ok. Et toi?
Si, je suis sur For Honor. T'as pris du skill? Ouais, vite fait. Merde. Bravo. Ils ont posé des alarmes. J'ai tiré cette alarme à la con. Ouais. Non, vas-y. Bravo les putasses. Putain, j'ai des informations là-bas. À 300 mètres, j'ai un point d'information. Faut une batterie fixe. Pardon. Oh, c'est cool. Côté du point d'information, j'ai un hélicoptère. Oh là, c'est bon. Je peux t'en prendre des hélicos, moi, c'est avec des cailloux. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais. Ça me casse les couilles, le point d'information, il est juste devant moi. Oh, mais à chaque fois, moi, je crève au point où il faut aller. Tout le monde est mort? Je tombe en pic, pour. Une, deux, trois, quatre vers moi, amis. Oh là là. Cinq. Avec l'hélicoptère, putain. Fais quoi, Sharif? Qui, moi? Ouais. Bah, j'essaie d'arriver là où vous êtes. Mais c'est chaud. Ah, mais ça sert à rien, là, on va raise. Genre t'es mort. Ouais, je l'avais pas vu le mec derrière. Hi. Voilà, celui-là je l'avais pas vu. Ah mais ouais, mais c'est bon. J'en tue un, ça en a 30 qui arrivent derrière. Putain, en plus le point d'information il est juste au-dessus. Putain, sérieux. Je veux le prendre l'information direct. C'est un délire, mon frère.
Et c'est le même niveau que ce que qu'on avait fait avant là. Bah lance un drone non. Drone actif. Mais un drone. Je vois une batterie fixe. Je désigne un ennemi. J'aperçois un petit groupe de cibles. J'active le drone. Cible neutralisée. Un mortier, wesh. J'y arrive, attends. Moi, je suis tombé de haut et je suis décédé. Mais quelle idée aussi! En fait, j'allais contourner des ennemis et. Je suis tombé jusqu'en bas, mon pote. Il est tombé comme une merde. Bah, tranquille, je vais spawn sur un de vous deux. Moi, j'arrive bientôt au point d'information là. Je suis en train de faire de l'escalade. Je vais spawn sur Islam. Oui, oui, oui. Je suis en train de faire de l'escalade, ma gueule. Je te compte même pas. Oh, je crois que j'ai crevé. Je suis dans un wallbreach gros, je suis dans la roche. Ah ouais? Je te jure. T'en trouves un quand on n'est pas là quoi. Ouais, j'aimerais bien en trouver un quand t'as le prédateur. Oh non, il manquait plus que ça. Oh non. Les gars, y'a quelqu'un qui peut venir me tuer. Je vais te lancer, attention les yeux. Voilà. Comme ça, je suis mort. Pour l'instant que il y a ma génération qui est en train de se faire, je cherche un truc à gamelle vite, j'arrive. J'ai envie de pisser de ouf. Qu'est-ce que tu tiens Moro toi aussi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Aussi, quelle idée de mourir à 300 mètres.
Wow. Vas-y, j'arrive, Quentin. Vous avez réussi à avoir des points d'information? Bah ouais, on l'a fait. Ah ouais, bien ouais, c'est bon, j'ai eu plein de trucs là. Attends-moi, Sharef. Ouais, je suis là, t'inquiète. N'aie pas peur. On va aller les caisses et après on se barre, on va prendre... On va chercher les Intel, comme ça on va faire les... On va récupérer nos trucs. Là, il y en a un autre encore de points en haut. Hein. Ouais, je vais aller récupérer mon truc là, mais... Il y a Charlie qui vient de se faire défoncer. Il est passé au-dessus de ma gueule, il m'a zappé. J'allais atterrir pour toi, Pelo, il y a des miss... Non mais là, c'est plus... Lâche-la en vidéo, les gars. T'es passé au-dessus de ma gueule. Faut que j'arrive à monter dans ce putain de truc en haut, là. Oh putain, y'a un truc là. Génial, ça va être utile ça. LMG1. J'espère au moins qu'il y a plein. J'avoue, je suis calé, vélo. Hein? Au calme. On peut même pas passer par là. Je peux pas rentrer dans la grande chapelle là. On va prendre le plus vite possible les Intel là, comme ça on fait vite l'émission de deux. Quand ça lui on le débarrouille, et plus tard on finira les maps. On va faire ça je crois. Ouais. Vas-y, venez, on saute. Ah non, la grue, Pélo, chave la grue. Mais tu peux monter tout en haut? Je sais pas, hein.
Bonjour parachute. Bah ouais, monte, monte. Monte par là, Pélo. Là, ici. Ça voulait pas se mettre. Ça voulait pas se mettre. Tu vas voir, t'as très peu. Là, voilà. T'as très peu de mètres pour ouvrir ton parachute. Tu vas contester. Allez. Et comment tu le déploies ton parachute? Espace. Nous, c'est space. Ah oui, mais moi je n'ai pas le parachute. Oh les gars, en plus je vais arriver pile poil à l'Intel si je garde le parachute. Oh putain. Dégoûté. Putain, ça m'étonnerait que je remonte là. Sa mère là, vous. Ouais, je vais remonter. Il y a une deuxième cible, troisième cible. Putain, vas-y, je peux même plus remonter. Cible numéro 5, un mécanisme d'alarme. La tête de moi, je vais contourner. On va prendre de l'élan, Bavago. T'auras jamais eu autant de chevaux de ta vie. Elle veut même pas monter, elle glisse tellement. Allez, rachète-toi la voiture. Oui. Yo quoi. Élimination confirmée. Le drone a décollé. Pour la construction d'une cabine insonorisée. Ça doit être pour la station de Perico. On va aller voir à cette adresse. Cible abattue.
Balas, balas, por fin tengo balas. On déploie une balise, les rebelles enverront quelqu'un récupérer la surprise. La mission elle est là. Nous avons les coordonnées de ce qui pourrait être la station radio de DJ Perico. Allez voir ça. Ah ouais. Toi aussi t'étais à côté hein. Vas-y, je vais raser l'autre. Vas-y, la personne. 4 carré, 4-4. Oh putain, oh il arrive au moment, Zenith, enfoiré. C'est un truc de fou, wesh. Je vais me prendre un petit choco pour me reprendre un peu d'énergie. Bon, deux. Les chocos, c'est la vie. Putain, 5 km dans la pampa. La crame il a spawn en haut cet enfoiré. Petite balle. Petite batte qui va bien. Et je suis comme une boule de flipper. Tous ensemble. Boule de flipper. Tous ensemble, tous ensemble. Hey. 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 Tous ensemble. Allez, première mission. On est dans la vallée. Oh. La 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 la. Je déploie le drone. On va se faire canarder. Putain de brouillage. Perico, t'es pas là Perico? Oh là là, regardez ma lambeau. Pourquoi échec de mission? Chier. Mais j'ai pas compris non plus, hein. Ah, qu'est-ce que se passe? Que passe ça, je ne sais pas. Non, t'es compris, t'inquiète. La mort est là, si bien.
Petit drone. Oula, 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 non, il y a le brouillage. Ce qu'on va faire, jumelle. Putain, tout le monde qu'il y a. Trop de monde. Où est ce putain de brouilleur? C'est l'antenne là-bas. Ouais. Ah. Se faire repérer du tout. Bah ouais. Bah ça va être chaud les gars. J'ai juste trouvé le brouilleur. Mais le brouilleur il est en haut, c'est le gros, la grosse antenne. Voilà, et en dessous en fait t'as un... je crois que c'est là où t'as le... la manivelle. Comment ça s'appelle? Ouais, t'as un genre de truc que tu actives et tu, que tu le désactives et... Bah faut faire ça alors. Ouais, faut monter en haut, et on apparaît en bas nous. Alors qu'on passe devant. On c'est compteur, juste non, il faut juste être furtif, je pense. Bah viens en turn. T'as vu où on apparaît? Et ça, on passe devant. C'est à côté. L'antenne, elle est où? Elle est tout en haut. C'est à côté. Faut se la jouer Sam Fisher. Ah, de toute façon, il y a du monde vers toi. Allez, maintenant on y va. On zoom, qu'est-ce qu'on voit? Brouillard de drone, il est là. Le drone il est en bas là. Il est brouillé. On s'approche de la station de radio. Voyons si Perico est en. Attendez. On s'est fait repérer, les gars. Désolé. C'est moi. Bon, on sait où le brouilleur, il est là-bas en bas. J'ai fait n'importe quoi, je voulais monter prendre quand même mon truc et tout, et j'aurais pas dû. J'aurais dû faire la mission alors qu'il y avait personne. C'est pas grave. Moi je vais y aller en mode sneaky sneaky, je désactive le brouilleur, puis après vous gérez. Ok. Ouais, mais même si on désactive le brouilleur, on va aller voir, mais s'il nous repère, c'est pareil. Faut qu'on aille sneaky mais ensemble. Faire attention genre avec la personne qui nous trigger. Vas-y, on turn up par gauche comme tout à l'heure, c'était pas mal. Vas-y, et après on... Je suis passé dans un petit passage, la personne, et je suis arrivé déjà devant la mission en fait. Et après je voulais récupérer, j'ai trouvé un point de... un truc d'arme là, un accessoire. On est bon là, comme ça. Fais gaffe, il est en haut. Ouais, je sais. J'ai gros sniper en haut, Sharef, je te laisse tâter. Vas-y. On s'approche de la station de radio. Voyons si Perico est en train de bosser. J'essaie d'avoir un œil où? Sur moi. C'est bon les gars, j'y suis. On a signalé? Non, je vois R.
personne par ici. Là, j'ai désactivé cette merde. Quelqu'un à qui on a parlé l'a peut-être averti. Mais il continue. Allez, balarguez vos drones. Bon, pas beaucoup de drones. La station. Aucune trace de Perico, mais il est toujours à l'antenne. Il se sert de la station comme d'un relais pour amplifier son signal. Et pas moyen de le pirater sans la clé cryptographique. Utilisez le drone pour scanner ses antennes. Mega vont essayer de trianguler l'intensité du signal pour le localiser. Compris. Tout ce que j'ai compris de cet appel à Bowman, c'était scanner les antennes. Il suffit de garder le drone immobile jusqu'à la fin du scan. Voilà la troisième. Drone actif. On arrive à 5. Scan c'est bon. Terminé. Espérons que ça va suffire à remonter jusqu'à Perico. Je vous récupère. Je conduis. Ça en fait 5. Bon, je fais quoi, on les extermine tous. Je vais récupérer les autres informations en attendant. Isolé de soignant. Je sais que ça dévie votre mission, mais c'est l'occasion de blesser Soigno dans son orgueil. Notez. On va voir si on peut éliminer le convoi avant qu'il atteigne le sanctuaire privé de Soigno. On a quoi? Oh, on a une belle map. Ah, nickel. Un convoi bourré d'objets personnels pour décorer. Détruire le convoi. Privé. On est go, les gars. Vous avez bien entendu. Un mausolée privé. Islam, je suis derrière. Intercepter ces camions et détruisez-les. Je te récupère, Islam, ou pas? De quoi? Tu viens ou pas? Ouais, t'as juste récupéré le truc qu'il y a sur le toit en haut. Je crois que c'est une médaille, je ne sais trop quoi. Un accessoire? Je récupérerai plus tard, moi. Tac, c'était une médaille. Voyons voir. C'est où? C'est la petite valise là, chelou. Ah, du people. Merde, je pisse le sang. Ah, c'est bon, c'est la meilleure celle-là. T'es où? T'es en haut? Ouais. Comment tu vas au dernier étage? Wesh. Je suis mort. Je sais pas ce qui m'a tué. Je vois pas. Mais j'arrive, je joue plus. Si, je suis là. Je suis en train de sniper, moi, gros. On est dead, nous. En vrai, j'aurais dû partir à la mission, vous êtes vraiment plein air. Ouais.
J'arrive, tu descends. Yes. Vas-y, va direct à la mission. Hein. Bacon. Ah ouais, il m'a rentré dedans. Qu'est-ce que tu fous en haut, toi? Je voulais prendre la Lambo, il m'a rentré dedans. Oh là là, ça y est, Lambo. Je pense que les amis ils vont me rire. Non mais viens pas hein. Pas trop tard. Mais non, fallait continuer, j'allais rester sur vous. Ah bah bécane elle est hard. Sors de ta voiture l'ami, tout de suite. Non, on change de wagon, la tienne elle est morte. Ah bah ouais. Faut aucun respect. Ils font un bruit les suspensions quand tu descends. Y'a un pont, y'a une wagon là à prendre. Juste en face de nous, Sharif. Y'a quoi? Y'a une voiture là-bas à prendre. Oh, la voiture rouge là? Ouais. C'est bon les gars, j'arrive. Oh là, on va te niquer avec cette wagon, frère. Cible numéro 2 marquée. Canard, non? Ouais, je suis pas. Comme tu tires dessus, j'ai rien fait, moi. J'ai jamais gentil.
Bon, je sais pas c'est qui, hein. Qui est derrière vous, mais qu'est-ce qu'il chasse avec ça, ce truc? Oh, on a une autre mission là. Faites sa mère. Ennemi abattu. Je déploie le drone. Oh, je suis entouré, gros. Ah, c'était obligé. Je suis entouré. S'il y a quelqu'un dans les alentours pour une réa, ce serait pas mal. Et toi derrière la voiture, ouais. Ah, moi ça m'a fané, Zébé. Ah ouais, sale. Ça m'a fané, moi. De quoi? H24, on meurt, wesh. Ah, parce qu'on est pas barbare, frère. Si on fait ça proprement, t'inquiète. Mais je sais pas pourquoi, ouais, l'émission elle a apparu d'un coup, tu sais. Je me suis arrêté cash. Ouais, j'ai vu, j'ai dit quoi, nique sa mère. J'ai vu les nombres de kilomètres qui restaient à faire l'un pour l'autre, là, j'ai dit quoi, on va faire ça de la plus près, comme ça au moins c'est fait. Rendez visite à Perico chez lui, à Todos Santos. S'il est là, chopez-le et amenez-le moi. Sinon, collectez au moins un maximum d'intel. Aux environs immédiats. Je repère une batterie fixe. Je l'ai eu. Je monte au-dessus de la tourelle. Perico n'est pas là. Essayez au moins de trouver des intels. Deuxième cible. On a trouvé un plan de je sais pas trop quoi. Une, deux. Antenne fractale peut-être. Si notre bon il nous reste 4 trucs et après on a fini. Cette antenne pour émettre. L'ISA pourra peut-être le localiser grâce à ce schéma. On est clean, hein. Je prends les commandes. Tu mets le point? Eh,
El Sueño envoie un convoi bourré d'objets personnels pour décorer son mausolée privé. Oh, en plus, pète sa mère, t'as la mitraillette dessus. Faudra niquer les quatre convois. Interceptez ces camions et détruisez-les. Ils sont juste là, là. Missile, missile, missile. Quand tu vois le missile, faut que tu te baisses à fond et tu fasses des virages. C'est ce que j'ai fait, j'étais en train de me baisser en plus. Il faut que tu fasses un virage en même temps. Bon, on va se la faire à la grue. Hein. Mucho buenas chichas. Ciao ciao bébé. C'est un bonus pour la machina. Il y a quand même des bandes là. Oh, t'as repéré là-bas toi. Ah ouais. Là j'ai atterri en bas moi. Oh, comme une mouille. Quentin, viens m'aider. Ah ouais, toi aussi t'es énervé. Ah celle-là. Hey, c'est ma moto, enfoiré! Bah non. Je veux la moto. T'as vu maintenant? Vas-y, monte. Mais je peux pas monter avec toi, vieux con! Moi je me barre. Hein. Ça va plus vite en moto. Hein. La putain de taras. Les gars sont sympas parce que tu les réanimes et après ils te font des cadeaux et te disent quoi, prends ma bécane et tout. Et t'es content, enfoiré, va? Bah ouais, logique. Attends, ah ouais. J'aurais pu te laisser galérer, hein. Prendre ta bécane et tout, là je t'ai relevé quand même. Au pire, tu sais quoi? Je te laisse ta bécane ici, et ça la récupérer. La cible est neutralisée. Frag lancé. Attention les yeux. Balancez frag. Oui. S'il vous plaît. Il a 10 mètres, quand il me réanime.
Comment il fait pour me toucher, je comprends pas. Ah ok, d'accord. Tiens mon pote. Maintenant il essaie de survivre. Un planning de ravitaillement carburant. Je vais réa l'autre. Il est déjà en position de décollage au bout de la piste. Et si on le détournait cet avion? On l'amène à une piste d'atterrissage alliée et on le refile aux rebelles. Ils seront contents. Nous aussi, mais le cartel pas du tout. Frag lancé, on se reverra en enfer. Fais chier, frag lancé. Et bah voilà. Plus que 3 missions. Cible de... Ouais, sans bling bling, c'est juste un gros cercueil. Il y a une unité juste à côté. Excuse. Je vais rentrer dedans le pauvre. Wow. Je tourne même pas le minibus. Ouais, c'est de la merde. J'aime bien ce 4x4 hein, Zeus là. C'est bon, j'y suis. Le drone. J'envoie un autre. Cible repérée. J'ai une cible. Avec lui, ça fait 5. Et un de moins. Je désigne un capitaine. Ils sont tous devant eux. On se reverra en enfer. C'est qui l'a tué? Moi. T'avais pas le tué hein. Oh merde. Concret. Mais j'ai trouvé l'ex-garde du corps de Perico. Ça va, allez, vas-y. Maintenant okay. Il bosse pour le cartel à Pilka, une sorte de mine. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une embrouille entre les deux. Du coup, il va peut-être balancer. L'ex-garde du corps de DJ Perico travaille maintenant à la mine de Pilka. Un connard de moi. Retrouvez-le et voyez ce qu'il peut nous apprendre sur ce poste. Et en grimpe. Et l'hélico là-bas, c'est nickel. Ah, j'ai pas tardé, mais... Ok. Arrête de pleurer. Super. Pilka,
que je voulais. Vas-y. Il a pas Islem. Oh, il est juste à côté, c'est pas mal ça. Wesh. Favor, interroger l'ancienne garde du corps du DJ. Ah, faut pas se faire tricard quoi, je crois. Un drone. Si ça commence à chauffer, surtout identifiez vos cibles. On sait que Ruiz, l'ex-garde du corps de Perico, travaille dans cette mine. Il faut pouvoir l'interroger. J'envoie un drone. Drone lancé. Il y a une alarme là. Au milieu d'un groupe de civils. J'ai repéré un autre ennemi. Cible numéro 3. On arrive à 5. Désigne la cible. Attention aux environs immédiats. Je repère un petit groupe d'ennemis. J'en ai eu un. Alarme désactivée. C'est le numéro 5. On est bon là. Non, vous avez mal fouillé à droite vers la tour. Attention quand vous allez rentrer. On se prépare à ouvrir. Il est où cette forêt? Bien joué à ceux qui a pris l'intel. Oh, ça charge. C'est vous, Arturo Ruiz, l'ancien garde du corps de DJ Perico? Perico? Ah, qu'il aille se faire foutre. Ce pinche puto, il a buté ma paloma. Il a buté votre colombe? Non, mec, Paloma, ma chienne, la pauvre. Elle qui avait jamais fait de mal à personne. Perico a tué votre chienne? Pourquoi? Perico se répond à mort. Perico a essayé de fumer du sucre avec le Paloma à Hermès. Le coup est parti, il a touché ma Paloma. J'en fais des cauchemars, je me réveille la nuit en sueur, j'en tremble. Vous voulez vous venger de Perico? Donnez-moi son vrai nom et une photo. Le vrai nom de Perico, c'est Marco Garcia. J'ai pas de photo, désolé, mais j'espère que vous allez lui faire la peau. Tching. T'es où? Ah, ok. Tous ces efforts simplement pour un nom aussi bateau que Marco Garcia. Ben, lié ça, il y a pour ça. Envoie-leur le nom et tu vas voir qu'ils vont nous renvoyer une photo en un quart de poil de seconde. Y'a un truc à récupérer là, je sais pas où il est. Bonne nouvelle. Grâce au schéma que vous avez trouvé et au scan, nous avons confirmé que Perico servait d'un programme de vivacité de fréquence simple pour chiffrer le signal. Non. Pour que Pacatari puisse utiliser ce signal, il nous faut encore la clé cryptographique. Ok. On peut vous transmettre les coordonnées approximatives de Perico. À vous d'aller lui prendre la clé cryptographique. Bowman transmet le profil de DJ Perico.
On a l'emplacement de Perico. Chopez-moi ce petit con et faites-lui cracher sa clé cryptographique. On va transformer sa radio libre en radio Bolivie libre. Ouais. Allez, c'est parti. Non, vas-y, vas-y. Il reste quoi là? Je crois qu'il reste deux missions après, hein, ça. Sauter, sauter, sauter. Voilà l'antenne. Perico doit pas être loin. Je vous rappelle qu'il nous le faut vivant. Ouais, je... Putain... Je le récup. Sa mère. Silencio, sortez. Fais-moi pas chier. Ya está, ya me ya me entrego. Hey, c'est Perico en visuel. Me entrego. Oh, merde. Alors DJ, on trouve plus ses mots. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un sicario? C'est pas la peine de me tuer. Ah ouais? Pourquoi ça? Ah, c'est moi, gros. Parce que j'ai encore toute la vie devant moi, j'ai des rêves. J'avais pas. J'étais tombé. J'étais au contrôle de la station et on te laisse à tes rêves. Ok, ok. Mais c'est pas moi qui vous l'ai donné, d'accord? Alors l'identifiant, c'est BIDIBOM. Bidibom. Et vous saisissez les chiffres générés par l'authentificateur. Savoir cet instant, Perico. C'est le jour où t'as failli mourir et le jour où je t'ai épargné. Ok! Je sais que tu pourrais changer la clé dès maintenant. Mais pour me remercier de ne pas t'avoir tué, tu vas continuer à émettre et tu vas attendre que mon associé Pac Qatari passe son message avant de changer le mot de passe. C'est compris? Allez, on se casse. D'où l'autre connard hein. Bowman, on a la clé cryptographique. Par contre, je sais pas si on va être capable de pirater le signal. Je sais, à chacun son métier. Les rebelles nous ont donné l'emplacement d'un de leurs spécialistes. Je vais récupérer les coffres, je vous récup. Va falloir le faire évader d'une prison de la Santa Blanca, mais on a besoin de lui. Ils sont pas à Tecos, pas incarcérés en rab? Non, et moi non. Amenez-le à un point de rendez-vous. Et je lui filerai ce qu'il faut pour passer Pac Qatari à l'antenne. Bien compris. Vous êtes où? Vous êtes tous en bas? On est dans la merde là. Ce que je me disais. Ennemi abattu. C'est tout, bien ouais. J'espère au moins qu'il y a le plein. Où l'hélicoptère là? Il est où le point? Il est là le gars. Le technicien radio de Pac Qatari est retenu prisonnier au barrage d'Olipo. C'est le dernier, après on a fini, je crois. Il nous aide à pirater le système de diffusion de Olipo. À l'aise.
Mais c'est qu'il est chaud le conducteur. Calme. Il est OP. Il est hamé. Zeuf. Ryan. Oh Allah. Mais tranquille. On les esquive les bâtards derrière. Tite Qatari, quel doigt tibé, il vient de ailleurs. C'est un tout-terrain de bordel. Voilà, il va de partout, Pelo, j'ai collé, frère. C'est du Fast and Furious tout ça. Non, ah, c'était bien. Pas... non. Je sais où, il est là. Sur le pont. Je suis chaud avec la suite. Ok. C'est le cadavre, il est motivé, il vient de Paris. Il y en a un sur moi, regarde Islam. Il est sur moi là, vers la grille. Tu le vois ou pas? Je me faisais rafale, je suis descendu, écoute, tu n'aimeras. Je peux réanimer les rebelles, putain. Putain, ils sont en train de... Wesh, l'écho. Heureusement que j'ai libéré ces gags, hein. C'est ce que je voulais faire, je voulais les libérer, moi, les deux cages. Trois, deux, un... Mort. Tu restes parmi nous, soldat. J'ai la petite larme à l'œil. Ils sont quand même pas mal pour juste un technicien. Vois ça comme un service rendu aux rebelles. Ils nous renverront l'ascenseur plus tard. L'important, c'est que le prisonnier reste en un seul morceau. N'attendez pas à trouver un aussi grand barrage ici. Ouais, les gens du coin s'en servent pour l'irrigation. C'est un poil abusé, quand même. Le type qui a construit ce barrage, sérieux, il a vu la Vierge. Notre ami commun, Pac Chari, nous envoie. Yo, descends, vas-y. Je suis là. Je suis avec le gars. Vas-y, monte. La cible est neutralisée. T'es où? Attends, mais il y a Islam, il veut monter. Vas-y. Vas-y. Tcho. Qatari est mon chef, mes commandantes. Mais je ne pensais pas qu'il ferait appel à des Américains pour sauver quelqu'un comme moi. Votre expertise technique serait utile à notre mission. On a piraté le signal radio de DJ Perico. Non, mierda. Il est sérieux, gars. Quoi? J'ai atterri, mon pote, ouais, on est tous en vie. C'est pas clean tout ça. Bon pas, merci encore. Ce message sera peut-être le déclencheur dont les rebelles avaient besoin. Ou bien ça changera rien. Carajo, t'en fais pas. Je m'occupe de tout et on verra bien. Adios, pues. Écoutez Santa Blanca, radio. Si tout se passe bien, le speech de Pac Qatari sera bientôt diffusé. Entendu. Bien joué les gars. Le message est
message de Pak Katari a été diffusé dans le monde. Maintenant, Soigno a l'air presque aussi con que DJ Pericho. Entre deux calculs, mon speaker qui fait des réseaux sociaux, qui est tendance en ligne. Et en fait, DJ Pericho commence déjà à avoir installé leur technologie de Prologue, Bowman, Gamma. Le Toko Prodel fait ami-ami avec Ali. C'est comme Bowman de vouloir leur donner l'impression de côté même. De toute façon, c'est eux qui vont se faire. Allez, merci. D'habitude, il annonce des trucs à la con comme les galas de charité de la Santa Blanca, mais ce matin, il a parlé de trafic d'enfants. Ça a dû grogner dans certaines chaumières. C'est surtout celle de Soigno qui nous importe. Trouver Félice et récupérer les preuves avant que le cartel le descende. Ça m'a l'air plutôt simple. Récupérez tout ce que vous pourrez. Il a forcément des tonnes d'infos compromettantes. Il habite à Santa Elena. Je vous envoie l'adresse. Bien reçu. Nomade, terminé. Oh putain, il y a la suite. Sérieux ? Ramon Félix s'est senti l'âme d'un lanceur d'alerte. Jure, ça t'a. Ça t'a dédié, Pélo. Oh, y'a qu'un gars pour faire ça dans tous les jeux. Quoi ? Tu tapes une levée dessus, Pélo. Elle a niqué l'hélicoptère. Je l'ai pas niqué, j'ai atterri, Pélo. Bah ouais, Pélo. Il y a 7 km à faire. Pour rejoindre la lune voilà. Contre la Santa Blanca. Espérons que c'était la bonne chose à faire. Ça m'inquiète toujours quand une faction devient trop puissante. Tu as peur que les socialos deviennent mégalos? Tu sais, la guerre froide s'est finie depuis un bail. Dixit, l'agent de la CIA en Amérique latine. On change de secteur, je te recontacte bientôt. Wesh wesh. J'ai fait un vote plan. Yeah. In the vote planning. Qu'est-ce que t'as fait encore, Pélo? Bah, j'ai coupé. De quoi? T'as quoi? T'as coupé? Ouais. Tiens, moi aussi, j'ai atterri sur une caisse. J'ai atterri sur une caisse. Bah, comme une merde. Je sais pas ce qui vient de venir là. C'est qui? C'est Slam? Bah, il va me voir sur des pneus. J'ai atterri sur la caisse avec la bécane. Bah. Chab. Sur la caisse là. Bah. Et je sautais au-dessus là. Je suis passé par au-dessus là. J'ai dit, je vais atterrir sur la maison. Bah, non. Quel dommage. On va y aller en hélico, je crois. Ah, mais faut en trouver un. Il y en a un, alors. Ah bah nickel. On est parti. T'en as un? Ouais. Vas-y, bah nickel, hein. Ah ouais, il est vraiment y aller, hein. On dit quoi, le gars. J'étais juste en dessous, je me suis arrêté, je me dis bon, on récupère, bah je l'ai vite tracé. Au calme. J'ai quand il veut quand même. Hein. T'es bientôt arrivé, non? Qui est moi? Hein? Ouais, ça va. J'ai plus d'hélico, j'ai plus rien. Non. Ma mère. Comment ça, t'as plus d'hélico?
Bah j'ai plus d'hélico, il a pété. Ah, t'as pris l'hélico. J'ai compris, t'as plus d'hélico. J'ai plus d'hélico. Il a explosé. Mais non, mais comment il a explosé? Mais t'es comment alors? Pourquoi t'es encore dans les airs? Hein? Ah, t'es en parachute, Pélo. Oh, mais sérieux. C'est un genre tout risque. Je le vois en parachute au-dessus, les gars. Je vois un mec qui est mort là-bas à 800 mètres. Je vois un mec au-dessus de moi en parachute. Qu'est-ce qu'il n'empêche? Soldat. Il est parti en hélico. J'ai fini devant lui. Je te jure. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi il est mort lui. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Bah y'a l'hélico. Ah ok. Ils font mal quand même. Frag lancé. Ah ouais. J'ai fait clamser. Frag lancé. T'es où, Islam? Ah, t'es là. Wesh. Ouais, tout ça pour un hélico, sérieux. En plus, il a pété l'hélico, sérieux. Je suis mort, les gars. Je vais mourir. Ah non, c'est bon. Mais non, je vais pas faire ça, je vais mettre une balise. Je sais. J'arrive pas. Ah, c'est... Bon travail. Je contacte les rebelles pour leur dire de venir chercher leur campement. Attends. Pourquoi t'as quitté? J'ai pas fait exprès. Tu veux prendre la sulfateuse? Ouais, je voulais prendre la sulfate. Ah ouais, il t'a pas choc. Salopard. C'est enfoiré. C'est enculé. C'est enfoiré, sérieux. Oh le bâtard. Mais comment t'es mort, Pélo? Ah, t'as pilé, t'es de bite. Ah, il a que ce Pélo pour faire des actions comme ça, sérieux. Merci. Eh, t'as vu dans les atouts? Dans les atouts, il y a... comment ça s'appelle? Il y a un truc pour style des dégâts. Est-ce que aussi ça va pas servir ça pour... Ah, ce pute! Ah, sale bâtard! Joue maintenant! Moi, je monte avec Quentin. Ah, sale bâtard! Ah, oh, putain, mort de rire. Comment t'as fait pour se poser? C'est 4. On peut même pas le réanimer. Ah, comment était Ken là? Oh putain. Il rigole même. Oh gros. Oh, on va se mettre Yam gros. Oh Islam.
On va se mettre bien. Ah ouais, je l'avais pas vu. Arrête de voir comme si on avait crevé. Je dis comme si on avait crevé. Pas comme si on allait le crever. Hey. C'est bon, c'est bon, c'est bon, il roule plus. Non, descends pas. Envoie une frag. Voilà, putasse. Je prends le volant. Hey, hey, hey. Sale bâtard. Jure, il nous a ken. Eh ouais, il nous a ken avec sa vieille frag de merde. Putain, il casse les couilles, ce pélo. Mais grave. Oh, quand tu fais ça. Fais ça que sur lui, pas sur moi, j'ai rien fait moi. Vas-y, arrière. On va m'attendre à pied. Sors de là, vite. Me force pas à employer la manière forte. Putain, tout ça pour récupérer une... Pour faire une mission, on a mis notre vie. Hasta la vista. Tenemos detectados a soldados yanquis en la zona. Mínenlos. Avisamos que los soldados ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Il a gardé la vague. Je suis en galère de ouf. La vague là en fond de premier, ah, pas monter. Ça va être une fin de vidéo mouvementée. Hein. Le gang des motards. N'oubliez pas, évitez de vous faire remarquer et interdiction de tirer. Nomade, ici Matchwood. Ici Nomade. Sam Fisher. Je suis en position. Je vous passe les coordonnées. Nomade, ici Matchwood. Ici Nomade. J'écoute. Je suis en position. Je vous passe les coordonnées. J'arrive, Islam. Lève la bécane en Y.
Je prends la bécane. Ah, t'arrives à lever la bécane en fabuleux souris? Bah ouais. C'est quelle touche? Contrôle. Merde, c'est pas vrai. Ah ouais. On arrive trop tard. Oui, c'est mort. Putain, les bouchers. Ces données doivent être quelque part dans le coin. Il est dead. Je l'ai mort. Bon là il est mort, il est sur le mur. Ah ouais, sale. Thoman, il a une mauvaise mort lui. Son disque dur s'est envolé. Le meurtrier a foutu un sacré bordel, pas vrai? Hein? Comment tu sais ça? Parce que ce crétin vient de poster un selfie qu'il a pris sur la scène du crime. Il a géotagué la photo, donc on sait où il est. Rejoignez le deck possible et essayez de récupérer le disque dur de Félix avant qu'il le détruise. On y va. Merde, il manque le disque dur. Il faut interroger le voleur. Moi aussi, je suis en dessous. Voilà comment j'ai volé, Pelo. Oh, ma moto, elle a atterri normal. Vous êtes morts, vous deux? Bah oui, moi j'ai fait Superman. Ah, bravo, Morin. Super skeg, man. Oh, il pleut, vite. Je vais être niqué. Je vais choper un rhume, bouge-toi. Va voir moi, je vais bientôt crever. 5. 3. Et 1. Putain. Oh là, comment il est monté sur le rocher, Islam. C'est téléporté. Chier. Pas le ramasser. Il a mis un C4 par terre. Avec la pluie, ça patine. C'est classe. Tueur en visuel, il nous faut le disque dur. Prenez le vivant. Une vagueuse et puis. Roman, on est à Flor des Oro. Ne vous fiez pas à la beauté des lieux. Elles sont bridées, ces bécanes, c'est pas possible, wesh. Notre but, c'est de mettre de l'eau dans le gaz entre l'Unidad et le cartel. Et pour ça, il faut abattre le général Barreau. Le commandant de l'Unidad. Ça va être galère de l'atteindre ou pas? On sait rien sur l'emplacement du général, mais on nous a parlé d'un data center dans la base fortifiée Jaguar de l'Unidad. Apparemment, il serait bourré d'infos sur le personnel. Peut-être même sur les opérations plus ou moins inavouables de l'Unidad. C'est l'endroit idéal pour trouver des pistes sur le général Barreau. Je t'envoie les coordonnées de la base fortifiée Jaguar. Il s'est arrêté. Ils ont sans doute installé le data center en sous-sol pour le rafraîchir. Par contre, notre source n'a pas pu nous fournir. Calmado, vamos caminando. T'es mort, sale connard. C'est quoi ton problème? J'ai rien fait du tout. T'as pris un selfie avec ta victime, gros con. Vous l'avez vu?
carrément classe, hein? Pour toi, ça, c'est la classe. Alors tu vas aimer ce que je vais te faire. Indice. J'ai besoin d'un cintre et d'un... Putain. Ça arrive, gros. Attention, attends. Ils l'ont abattu, c'est de la taille. Oh là, vas-y, c'est bon. Moi, je vais arrêter là, gros. Ça sert à rien, c'est la dernière mission, attends la finir. Y'a Mims chez moi, gros. Alors? Il est seul tout, miskin, depuis tout à l'heure. C'est la dernière mission, je te dis, c'est la fin de vidéo. On a fini la carte. Ah ouais? Vas-y, bah je vais la faire. Mais attends, tu m'as dit que t'étais parti pour une nouvelle carte, pour finir la carte. T'es un bâtard, Mims. Ah Mim, c'est fini la carte. T'entends pas, ta gueule. De toute façon, t'as tout le temps, tu cries, wesh. Non, voilà. Petit contretemps, désolé. Pas de soucis, on va faire vite. Je t'envoie les coordonnées de la base fortifiée Jaguar. Ils ont sans doute installé le data center en sous-sol pour le rafraîchir. Par contre, notre source n'a pas pu nous fournir de mot de passe. Vous savez quoi faire. Oh putain. Vas-y, vas-y, reste là, on va arriver. Si vous nous entendez, c'est que nous avons... Faut le buter ? Non, non. Faut le buter. Faut niquer sa vago. J'ai notre tueur en visuel. Il nous faut le disque dur. Prenez le vivant. Je nique ta mère, cabron ! Non, c'est assusté. Allez. Interroge-le. Interroge-le ! Faut pas l'embarquer, non. Interroge-le ! Mort, sale connard ! Mais c'est quoi ton problème ? J'ai rien fait du tout. T'as pris un selfie avec ta victime, gros con. Vous l'avez vu? Carrément classe, hein? Pour toi, ça, c'est la classe. Alors tu vas aimer ce que je vais te faire. Indice. J'ai besoin d'un cintre et d'un gros paquet d'électricité. C'est bon, relax. Qu'est-ce que tu veux? Le disque dur de Félix. Vite. Ah, ça, je l'ai refilé au hacker pour qu'il l'analyse. Faut qu'on se grouille de choper le disque dur avant que le cartel l'efface. Deux secondes, je prends le volant. J'étais obligé, je sentais en plus arriver cet enfoiré. Au début, je voulais être encore plus méchant. Quentin, tu m'autorises à être beaucoup plus méchant? Non, après, faut recommencer. Après, tu vas se venger, après, ça va être un boucherie, après, on va réussir avec ta mission, après, on va me dire quoi, vas-y, faut que j'y aille, ouais. Y a Mims. Là, je l'ai pas vu. Il m'a tué. Sheriff, retire-toi. Sheriff, viens de me rire. Je suis là. Ouais, mais attends, gros, il y a des ennemis vers toi, frère. Mais où? Ah, ouais, il est juste là, cet enfoiré. Bah, moi, c'est clean.
Là, juste là, Sharef. Juste là, le gars. Bah, attends, casse pas ta tête. Tu fais quoi? Je les bute, poteau, wesh. Mais il était juste à côté, après tu pouvais mourir, il n'y a plus personne à côté. Ça aurait duré 2 secondes. J'ai le temps de me réanimer tout seul. Le disque dur de Félix. Super, il est intact. Affirmatif, on l'a connecté à une clé, tu vas recevoir les données. Excellent. D'après le blog de Félix, la Santa Blanca enlève des enfants boliviens qui partent trimer au Brésil, en Argentine ou au Mexique. Et on peut en plus. Trafiquant d'enfants. Chut. Même pas les trafiquants de drogue. Ça y est, c'est fini. Bon, ce sera pour la prochaine vidéo. Vas-y.